totalement désossé la turbine. C'est une turbine qui a servi à faire de tourner les broyeurs et qui broyait la coquille de noix. Ah, des broyeurs, non, là. Il y a encore la... Oui, ce sont des pièces de collection. Et voilà la coquille de noix. C'est toute petite. Non, là, c'était vraiment broyé lorsqu'il y a une époque où le propriétaire broyait la coquille de noix parce qu'on vendait le cerneau, on vendait les fruits, y compris les fruits à la porte. Et par contre, ça, il exportait, donc il y a eu du monde. Voilà, ces deux broyeurs, ils n'ont pas broyé depuis. Depuis très très longtemps, et la turbine, elle était incapable de tourner. Didier Ophilippe, vous nous dites un petit peu que vous avez repris et un peu l'ampleur du travail réalisé. Là, il y a 3 ans et demi à peu près, donc on est descendu dans le trou. On a déjà enlevé 50 cm d'archilo calcaire. On a fait quelques rencontres d'ailleurs, des serpents, des choses comme ça. Et puis après, on a vu la turbine, et donc on a démonté, on a enlevé des boulons, des 10, des dizaines, des centaines. Et puis on a trouvé à l'intérieur un tas de calcaire. On voyait à peine les éléments mécaniques, puisqu'il y a une turbine, c'est une turbine Francis. Et donc le principe, là, c'est l'eau arrive tangentiellement et elle repart verticalement. Et donc les éléments, notamment les pales qui permettent de régler la puissance, tous les éléments, tous les boulons, tout ça, c'était complètement pris dans le calcaire. Et après 6 mois de lutte, on a réussi à extraire la turbine, qui elle était complètement bouchée. Il y avait environ 5 cm de calcaire dessus, donc on a tout nettoyé grossièrement. Puis ensuite, on a fait sabler. On a réfléchi à la façon de pouvoir éliminer cette adhésion calcaire. Donc on a repeint les éléments immergés avec une peinture d'après anti-rouille et ensuite une peinture époxy très lisse qui évitera au calcaire de réadhérer. Et ensuite on a remonté là, donc, et il y a 15 jours, 3 semaines, donc on a ouvert, on a réhabilité le bief aussi, on a refait les pelles pour pouvoir ajuster les débits, tout ça. On a mis de la protection pour éviter que les cailloux, le bois, tout ça revienne. Et puis il y a 15 jours, premier test, tu étais en train de restaurer. On a fait un test, on l'a fait tourner. Puis voilà, aujourd'hui, alors elle est presque. La force motrice est rétablie. Il y a une roue, vous allez voir, il y a une roue dentée. Et maintenant, reste à y connecter, je dirais, la partie industrielle, c'est-à-dire le. Voilà. La turbine, en fait, si vous étiez venu il y a 2 mois de ça, la turbine était étalée en pièces ici. Voilà.